Parmi les conséquences de la crise de 1929, on trouve l'explosion d'un chômage de masse partout dans le monde, dans de nombreux pays, et la France ne sera pas épargnée par cela. Ainsi, le pays comptait très peu de chômeurs jusqu'à présent, puisque du coup, en 1930, il n'y avait que 1700 chômeurs secourus. Alors, il y en avait également d'autres qui étaient sans emploi, mais qui étaient secourus, il y en avait 1700. En 1931, on est déjà monté à 100 000, et en 1935, ce chiffre sera de 500 000. En sachant que donc c'est que les personnes secourues, et que les chiffres réels étaient alors sûrement plus proches du million. Et donc, autant vous dire que niveau misère, c'était assez important. Beaucoup de personnes étaient, ne pouvaient plus vivre dignement parce que les secours étaient insuffisants et avec 500 000 chômeurs non secourus à côté, c'était la crise. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'explosion du chômage de masse durant la crise de 1929, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description.